Peut-être qu'il y a des gens qui ont des témoignages, qui veulent témoigner des merveilles du Seigneur dans leur vie. C'est le moment. Alléluia. Amen. Je vais témoigner la grandeur de Dieu parce qu'il nous a donné encore les souvenirs de vie et il nous a donné encore la grâce d'être là parce qu'il y en a beaucoup qui sont privés de glorifier le nom de Jésus. Et nous, on a cette grâce de glorifier le nom de Jésus avec toutes les libertés. Amen. Come on, come on, come on.
Seulement parce que le Seigneur m'a renouvelé le souffle de vie, mais parce que depuis une semaine, au travail, il y avait un envie pressant en fait qui me venait de prier. Parce qu'on m'avait mis sur un poste de manutention, mais tout d'un coup, j'avais envie de prier. Tout d'un coup, j'avais envie de chanter. Et pendant toute une semaine, et aujourd'hui, vers 4 heures du matin, j'ai fait un rêve. Je ne veux pas détailler le rêve, mais je pense que le Seigneur est venu me parler et il m'a montré ce qu'il m'a montré. Et j'ai senti même comme j'ai modéré, ce n'est pas habituel. J'ai senti qu'il était vraiment, vraiment avec moi et que j'étais habité par une certaine puissance. Donc pour cela, je rends grâce à Dieu qu'il continue à m'utiliser et qu'il continue à faire grandir en moi ce que lui
Il veut que moi je devienne pour lui. Pour cela, je rends grâce au Seigneur. Nous allons nous lever pour prier pour la parole et le serviteur d'aujourd'hui, le berger Léo, qui va nous prêcher. Qu'à travers lui, que le Seigneur l'utilise comme canot, dirais-je pas, comme canal, pour nous transmettre le beau message qu'il nous a gardé en ce jour. Prions. Seigneur du Tout-Puissant, je te rends grâce. Merci Père éternel. Tu nous as nourris, Seigneur. De toi. Père éternel. Je remets cette deuxième partie entre tes mains, Seigneur. Le moment est venu, Père éternel, où nous voulons être nourris par ta parole. Que ta parole nous nourrisse, Seigneur, en ce jour. Qu'elle soit destinée à chacun d'entre nous, en ce lieu, Père éternel. Qu'elle soit un message, Père éternel, qu'elle soit. Seigneur, ce que toi, tu peux nous dire. Toi qui vas utiliser en ce jour ton serviteur, le berger Léo. Continue à le faire grandir dans ton service, Père éternel. Continue à bénir sa maison. Fais de lui, Père éternel, une étoile qui serait guidée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes enfants. Tout comme cette étoile a guidé les marches vers ton fils Jésus. Qu'il soit aussi une étoile, Père éternel, qui nous ont bénis vers toi. À découvrir ton visage, Seigneur, à découvrir ton amour. Qu'à travers lui, Père éternel, que ton message parle. Que ta bonté enlève l'un de nous tout esprit de distraction, Père éternel. Empêche nos pensées de s'évader à penser à autre chose. Car oui, c'est bien d'écouter la parole, Père éternel, mais nous voulons la garder afin de la mettre en pratique partout où nous sommes. Nous voulons être le sel de la terre. Amen. Je vais inviter le berger Néo à venir. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Non, est-ce que ça va? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus que vainqueur au milieu de nous? Non, est-ce qu'il peut manifester au moins? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut s'élever pour crier Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever pour crier au moins Jésus? Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos places. Que Dieu bénisse encore une fois les musiciens. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Je continue à croire à ça. Et rapidement, on va prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job 33. Job 33. Chapitre 33, versets 14 à 18. On va prendre le livre de Job.
chapitre 33, des versets 14 à 18. J'ai le nom de Jésus. Amen. Dieu parla cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par de rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes et quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Amen. Parole de Jésus. Non, acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Je vous rassure que Jésus est merveilleux. Des fois, ça nous arrive de venir au kilt. On prépare un thème, on prépare un message. Et on arrive dans le kilt, des choses changent. Alléluia. Des choses changent. Pour ça qu'on change un message. Alléluia. Mais malheureusement, vous savez quoi? Quand nous sommes dans le kilt, il y a une chose que tu ne devais pas faire, d'être distrait. Alléluia. Parce que des fois, nous, on dit que non, Dieu va nous parler seulement dans le moment de prédication. Non. Alléluia. Parce que Dieu peut nous parler dans tout moment. Alléluia. Dieu peut nous parler dans tout. Si tu es distrait, tu peux rater même ta bénédiction. Vous savez, des fois, je me pose des questions. Comment on peut expliquer un homme 36 ans dans un endroit? Sa vie ne changeait pas. Comment on peut expliquer un homme qu'il y a des autres qui prenaient le courage de se jeter dans les piscines, mais lui, il restait toujours là? Il faut se poser des questions des fois. Il y a une chose que le diable aime faire, te distraire. Vous savez quoi? Suivant quand on va dans les parcs, les gens qui ont des chiens, ils font quoi? S'il veut jouer avec son chien, des fois, il prend un ballon, ou bien il prend un objet, il jette. Et quand il jette, qu'est-ce que le chien fait? Il suit. Et des fois, le diable vient nous distraire comme ça. A boi qu'il y a beaucoup, à tse l'y a beaucoup, pour assanin, à l'ongola, intentionnellement, à kamozo sala. Alléluia. Des fois, tu viens dans les cultes, le diable commence à te rappeler des choses dans ta famille. Maman, il est en train de souffrir. Tu as vu ton compte, tu es déjà dans le rouge, tu n'es même pas arrivé les 20. Tout ça pourquoi? Il veut te distraire pour que tu rates ce qu'il a préparé pour toi. C'est pour cela que je vous demande, je vous en prie, soyez toujours concentrés. Ce n'est pas seulement l'église, même dans notre vie quotidienne. Parce que quand on est concentré, quand on est éveillé, il y a des choses qu'on peut voir que Dieu peut faire dans notre vie. C'est pour cela que Pierre, il dormait. Jésus a dit quoi? Réveille-toi. Alléluia. Réveillons-nous. Parce que des fois, on dit qu'on est église des réveils. Alors, soyons vraiment réveillés. Parce que diable profite quand nous sommes distraits. Il vient te mettre la paire. Tout ça pour te distraire. Mais quand nous sommes concentrés, on peut toucher, on peut voir de certaines choses. Un jour, j'ai parlé avec mon ami que j'aime bien. Il m'a dit un jour, il est parti pour se battre avec quelqu'un. Mais cette personne, les gens, ils disaient que non, lui, vraiment, c'est quelqu'un de fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui s'est battue avec lui, son attention, elle est partie dans la foule. Mais lui, comme il savait que cette personne va battre quelqu'un, maboko, donc on se concentrait quand il n'est pas naïe. Et l'autre intention est qu'il y a la foule. Mon dégât, quand il y a la foule, il y a surtout qu'il n'a pas belé. Pourquoi? Lui, elle était concentrée dans son combat et l'autre était concentrée dans la foule. Ne cherche pas que tes diables te distraient. Ne sois pas distrait. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Bon, aujourd'hui, on sera un peu lent. Et j'aimerais demander encore une fois votre attention. Alléluia. Je serai lent pourquoi? Parce que suivant quand on veut parler de certaines choses, bon, genre enseignement, ça nous prend du temps. Je vous en prie, ne dors pas. Alléluia. Sur mon effet, mon la côté, la moussaï. Alléluia. La classe, c'est la rabongo, non? Quand le professeur commence à enseigner sur l'histoire, yo. Alléluia. Faisons vraiment un effort. Okay? Donc, on va parler comment Dieu parle. Alléluia. Parce que suivant, on râle. Nzamba lobe la kangate.
J'attends pas Dieu. Dieu ne me parle jamais. Alléluia. Bon, ce qu'on va dire ici, ce n'est pas les seules choses. Ce n'est pas les seules manières. Alléluia. Parce qu'on a dit, la Bible nous dit quoi? Dieu parle d'une manière, tantôt d'autre. Donc, ce qui est dit, il n'a pas seulement une seule façon de parler. Donc, il dit, il a plusieurs manières de parler. Je vais rappeler encore à l'église. Quand on vient ici, des fois, on donne un thème. Ça ne signifie pas que ce qu'on a dit par rapport à ce thème, c'est le seul. Non. Tu peux faire aussi des recherches par rapport à ça. C'est pour cela que je vais vraiment demander ces choses à l'église, qu'on commence à faire des recherches. Alléluia. Écoutez ce que Luc a dit. Après avoir fait des recherches. Alléluia. C'est que Luc faisait des recherches. Il a entendu, il a écouté ce que la vie, il a vu aussi. Mais il n'a pas s'arrêté là. Il faisait aussi des recherches. Donc nous tous, on sait que la Bible n'est pas écrite en français ni en lingala. Mais c'était en hébreu, en aramaïque et en grec. Amen. Donc c'est pour cela qu'il y a certains termes. Quand on l'écoute, il faut aller vraiment chercher. Et cela, ça va nous aider. Et ça va nous faire aussi de grandir dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si on comprend bien, Dieu veut qu'on grandisse dans la grâce et dans la connaissance aussi. Alléluia. Donc quand on a la connaissance, ça nous aide à comprendre certaines choses. Amen. Donc on va commencer par rapport à ce qu'on a dit, comment Dieu parle. Suivant, on pose des questions. Même moi, quand je me suis converti, des fois, on disait que non, j'ai besoin d'attendre Dieu. La lingue, Nzambe Pena le Belanga. Mais on ne savait pas comment parler avec Dieu. Pourquoi? Plusieurs fois, on est limité. Pourquoi on est limité? Parce que si on comprend bien, l'homme, c'est le chair. L'homme, il se donne beaucoup plus à la chair. Pourquoi? C'est des choses qu'il voit. Aujourd'hui, c'est vous dit que si je vous dis que cette piano, elle est rouge, tout le monde va dire non. Alléluia. Pourquoi? Tout le monde voit que le piano, c'est noir. Alléluia. Des choses spirituelles, malheureusement, pour expliquer des fois, c'est difficile. C'est pour cela, maître, j'arrête pas de dire, c'est impossible d'expliquer Dieu. Alléluia. Pourquoi? Déjà, il est spirituel. Comment tu vas expliquer quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un que tu ne vois pas? Comment tu peux l'expliquer? Et plusieurs fois, quand on parle de Dieu, on parle par rapport à ses attributs, à ce qu'il lui a manifesté. Alléluia. Ce qu'il a manifesté, on peut dire qu'il est Jéhovah Jireh. Mais il ne faut pas s'arrêter que Dieu, il est seulement Jéhovah Jireh. Il y a l'autre, Moïse, il a dit que non, il est Jéhovah Rapha. On ne va pas s'arrêter seulement là. Donc, c'est que maintes fois Dieu qu'il s'est manifesté, les hommes, ils donnaient un attribut par rapport à ce que Dieu a fait. Mais croyons-moi, mes frères et sœurs, qu'il ne s'arrête pas seulement là. Amen. La première chose que j'ai écrite, Dieu, il nous parle d'une façon, donc il nous parle dans une voix audible. C'est qu'on peut entendre en fait. Alléluia. Donc, comme on est là, moi je parle et toi tu attends. On va donner quelques exemples. Quand Moïse, il faisait ce que je trouve un peu bizarre, je dis gloire à Dieu parce que des fois c'est difficile, quelqu'un qui s'attend bien avec son beau-père. Alléluia. Quelqu'un qui s'attend bien avec sa belle-mère. C'est que Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il était berger. Il était berger, il prenait soin des brebis de son beau-père Jéthro. Et suivant, si on suit bien la Bible, quand Moïse a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Et il a resté pendant 40 ans dans le désert. Il faisait toujours la même chose. Il prenait des brebis, il partait à la montagne. Des choses que j'ai dit, vraiment, c'est bizarre. Je sais qu'il y a des gens comme Pasteur qui ils ont déjà parti dans le désert. Est-ce que dans le désert, Matite Zalaka? Alléluia. Et c'est bizarre, vous allez voir que Moïse, alléluia, c'est des choses de la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et une certaine journée, Moïse, il était en train de faire ce qu'il faisait d'habitude pendant 40 ans. Dieu ne parlait pas, parce que dimanche, on a parlé de la silence, quand Dieu s'était, quand Dieu ne parlait pas. Mais là, on va parler aujourd'hui, quand Dieu parle, comment Dieu parle, alléluia. Et quand Moïse, il faisait son travail, la première chose qui a attiré l'attention de Moïse, parce que la vigne buisson, il y avait du feu, mais il ne se consommait pas. Alléluia. Vous comprenez? Là, Dieu commence à parler. Dieu veut parler, mais la première chose que Dieu voulait faire, c'est d'enlever l'attention de Moïse au brebis pour seulement les regarder. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi? Donc, c'est que des fois, Dieu, il t'enlève dans un endroit, il veut t'isoler pour te parler. Alléluia. Dieu, il t'isole.
Il ne veut pas que tu écoutes encore quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que tu regardes quelqu'un d'autre. Parce que ce que Moïse il a vu, c'était extraordinaire. Buisson copé la montre dans le désert, et là, comment ça extraordinaire. C'est une chose que eux, nous avons tout le temps. Mais ce que Péli montre, il faut se consommer. Il faut être là. Mais là, il a dit, c'est quoi ça? Alléluia. Donc, c'est que Dieu, il a fait cette merveille pour tirer l'attention de Moïse. Et quand Moïse a regardé, Dieu a commencé à parler. Et quand Dieu il parlait en ce moment-là, Moïse, il entendait comme toi et moi, on s'attend là. Là, c'est par là. Alléluia. Il a dit, Moïse, Moïse. Alléluia. Ce n'est pas le seul homme que Dieu a parlé. Et des fois, Dieu peut nous parler, et nous aussi, on attend. Des fois, Dieu peut nous parler, nous sommes nombreux, mais je suis le seul qui j'attends, les restes, ils n'attendent pas. Alléluia. On va continuer. Un jour, Paul, apôtre Paul, il partait pour persécuter l'église. Alléluia. Alléluia. Paul, il était tueur des chrétiens. Vrai assassin. Prenez le couteau. Avec un cachet de souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, tu lis dans la Bible, tu ne tueras pas. Et puis si Paul, on a une mission. Il y a des chrétiens là-bas, allez, il faut exterminer tout le monde. Et Paul, il partait pour faire quoi? Pour tuer les chrétiens. Soudain, Jésus l'a paru. La Bible dit que Paul, il est tombé. Paul, il entendait la voix de Dieu. Jésus lui demandait, pourquoi tu me persécutes? Paul lui a dit, mais tu es qui toi? Il a dit, c'est Jésus. Et les gens qui étaient à côté, ils attendaient des voix. Mais la seule personne qui voyait, c'était Paul. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Donc, comme on a dit, ce n'est pas que comme 1 plus 1 égale à 2. Vous comprenez? Dieu, il est mystérieux. Donc, c'est que sa façon aussi de se communiquer à l'homme, c'est mystérieux aussi. Alléluia. C'est pour cela, jour et nuit, soyez prêts. Donc, je suis en train de donner l'exemple des gens qui ont entendu Dieu. Quelques jours, il y a une journée aussi, Dieu il appelait Élie. Élie, il a fait un exploit. Élie, il a dit, on va faire un défi aujourd'hui. Le défi qu'on va faire, on va prendre un animal pour sacrifier. Mais les conditions, c'est quoi? On va demander le feu. Vous allez demander le feu, que le feu descend pour brûler cet animal, pour consommer cet sacrifice. Le Dieu qui va répondre avec le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi Élie a demandé ce défi? Parce que les prophètes de Baal, ils avaient l'habitude de mettre le feu sur les statues des Dagon. Ils mettaient le feu par derrière, ils ont fait un trou, ils crachaient des feux. Alléluia. Il a dit, je ne vais pas chercher un autre défi. Donc, si on a des feux, ça va colonios. Vous comprenez ça? Mais quand ils ont prié, il n'y avait pas de réponse. Mais soudain, ils savaient même les airs, parce qu'ils savaient l'air de prière. Parce que même dans les jardins, il y avait un moment qui Dieu venait pour parler à l'homme. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit, soyez vraiment sensibles. Et quand il a fait l'exploit, il a tué tous les prophètes. Il s'enfuit. Il a fait exploit, il s'enfuit. Il a commencé même à pleurer. Écoute ce qu'il disait. Je ne suis pas comme mes arrières, mes ancêtres. Je suis faible. Et Dieu a compris que non, cet homme-là, il a faim. Il a envoyé un ange. Imagine-toi, un ange qui vient pour parler à un homme. Vous savez qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené du pain et de l'eau. Alléluia. Ange, je précise, c'est pas ta voisine. Ange, il est venu du ciel, Nali Panamai. Pour appeler sa nan, appeler sa prophète. Prophète allié, il a mangé. Il s'endort encore, nous sommes à l'obino à ton dité. Il a mangé, il a dit, Dieu l'a dit que je vais te parler. Comme on a dit tout à l'heure, il a dit, mais d'abord, je vais t'isoler. Comprenons ça. Dieu a dit au prophète, viens dans la montagne, moi je vais te parler. Et quand le prophète l'arrive, je crois que peut-être il a lu Torah. Quand Dieu il parle avec Moïse, il y avait des tremblements. Alléluia. Et quand Élie, il était isolé, il entendit des tremblements de terre.
qu'est-ce qu'il a dit? Ah, cette fois-ci, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui va me parler. Vous savez quoi? Dieu n'était pas là. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, mais ça n'a pas été. Non, on a mis ça dans Zambé, Zamba le blanc, non, non, non. Donnez notre nom à cette, je sais pas, à cette phénomène. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Alléluia. Et quand il a dit, bon, je vais attendre encore. Il a vu Dieu faire, il a dit, bon, Dieu, il est le feu dévorant. C'est que Moto Pena, Esaïe, il n'était pas là. Vous comprenez? C'est que des fois, nous, on attend Dieu à droite ou bien à gauche. Mais Dieu, il vient ni à gauche et ni à droite. Vous comprenez? Dieu peut prendre même un enfant. Il te parle à travers un enfant. Alléluia. C'est pour cela, je répète, soyons quoi? Attentifs. Et ça me fait mal des fois quand quelqu'un est vieux dans le culte, on dirait pour tout le monde, alléluia. Il commence à ronfler même. Mais si on met une série qu'elle aime bien ici, jusqu'à demain, il est toujours, il voit bien. Alléluia. C'est pour cela, soyons vraiment concentrés. Donc, j'ai donné l'exemple de la façon audible que Dieu peut te parler. Et jusqu'aujourd'hui, on a entendu des témoignages. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience à moi. J'ai entendu ceux qui ont dit non, j'ai entendu une fois que Dieu m'a parlé. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? Suivant, aujourd'hui, quand j'étais en train de préparer ce message, Dieu m'a rappelé, il m'a rappelé une chose. Une chose qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Le plus étonnant, quand Dieu te parle, tu ne comprends même pas la langue qui te parle, mais tu comprends ce qu'il te dit. Alléluia. Ça m'est arrivé. Et jusqu'aujourd'hui, des fois, je me demande, il n'y a pas de langue. Parce que là, des fois, c'est compliqué. Tu as le portugais, tu as le kikongo, tu as le français, tu as le lingala. Mais ce qui est bizarre, je comprends. Pourquoi c'est ça? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui parle à ton esprit. Alléluia. Je répète, c'est l'esprit de Dieu qui parle à ton esprit. C'est pour cela des fois les oreilles ne comprennent pas. Mais tu comprends. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Jésus. On va donner un deuxième exemple. À travers, Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Romains 16. Aya, est-ce que tu peux nous aider? Parce que si on donne beaucoup de versets, on va se fatiguer. Donc, on va plutôt parler. Que Dieu nous aide, on aura des journées, ça sera close, comme on dit, c'est étude biblique. Ça va nous aider à Romains 8, 16. Chapitre 8, verset 16. J'ai l'homme de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on on a vu nous tous? Yaya, tu peux répéter? C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Des fois, je joue avec des gens. Je demande, est-ce qu'entre nous, il y a quelqu'un qui a acte de naissance où c'est écrit que Dieu, c'est son père? Personne. Et pourquoi nous on dit que nous sommes des enfants de Dieu? Ou bien on est devenus des enfants de Dieu? C'est parce qu'il y a un témoignage intérieur. Et suivant Dieu nous parle dans son esprit. Je vous dis, suivant Dieu, il nous parle à travers de son esprit. Des fois, on appelle ça l'intuition. Alléluia. Des fois, on appelle ça une intuition. On comprend du télo comme on dit tes le banayo. Des fois, on comprend des convictions. Alléluia. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, des fois, il faut qu'on s'isole vraiment. Des fois, il faut chercher à s'isoler. Pourquoi des fois, Dieu nous parle dans notre esprit, on a des doutes? Parce qu'on dit, est-ce que ça voit une anité? Est-ce que ça a une anité? Alléluia. Parce que il y a une chose qu'on doit comprendre. Je répète, être toujours attentif. Quand Dieu a appelé Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham par rapport à sacrifice, pour sacrifier son fils? Il a dit quoi? Tu vas à la montagne pour sacrifier qui? Pour sacrifier ton fils. Alléluia. C'est qui a dit ça? C'est Dieu ou pas? C'est pour cela qu'il faut être attentif.
Quand ils ont arrivé à la montagne, qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Alléluia. Tu arrives à la montagne, Alléluia. Pourquoi il était attentif? Je viens pour faire le sacrifice, mais ça ne m'enlève pas d'être concentré. On peut venir dans le culte, on vient, on arrive. À travers son esprit, dans ton esprit. Comment opèrent les dons spirituels? Alléluia. Comment les dons spirituels opèrent dans la vie des chrétiens? C'est à travers l'esprit. Alléluia. C'est pour cela, si on suit bien, la Bible nous dit quoi? Le ministère, c'est le travail de Jésus. C'est Jésus qui donne les ministères. Mais les dons spirituels, c'est Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je peux venir là. Je suis là. Mais Dieu, il peut me donner une parole de connaissance. Dieu peut me réveiller, il peut me donner une parole de sagesse. Nazoteya. Minza mbalo bananga. Est-ce que c'est ça frère Kege que lokwana osa la banga te nzambi ngamo na sane aussi. Et le problème c'est quoi? Les plus étonnants ou bien les Et le merveille de cette chose, ce n'est pas nous qu'on reçoit des fois. C'est la personne qui attend ça. Imagine-toi. Au salaki makambunayo, au yebisi passer bienvenue, au coin de qui passe bienvenue, au moni à l'obi. Et tu sais où tu étais parti à 12h30. Dieu m'a dit, t'inquiète pas. Ce que Simbi Teza Pobang va s'amuser à Benzama, tu vas demander, mais comment passer bienvenue, c'est ça? Alléluia. Tout ça, ça se passe dans l'esprit. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Ce qui est difficile, c'est ça. Des fois, quand on veut continuer, il y a le temps. Mais on va faire le maximum. Alléluia. Ce n'est pas grave, on va faire le maximum. Donc, on a dit, voix audible, on a dit à travers son esprit, on va rajouter encore une chose, à travers le rêve. Alléluia. À travers les rêves. Mais ce n'est pas tous les rêves. Parce que, il est au courant de l'église. Je vous dis la vérité. J'ai vécu une expérience avec Dieu il n'y a pas longtemps. J'étais en train de prier. Après, j'ai dormi. Et quand je me suis couché, Dieu m'a montré une chose. Ce que Dieu m'a montré, c'était quoi? Genre, quelqu'un qui appelait un frère à moi. Il a dit de certaines choses, mais des choses qu'il a dit, ça menait une confusion dans ma maison. Alléluia. Soyez éveillés. Et quand j'ai vu ça, j'ai pris des décisions. Je dis, oh! C'est que non qu'on habite Soana, il ne m'aime pas. Il prépare. En plus, c'était quelqu'un de la famille. C'est ça qui est le plus étonnant. Ah, Zakapena esprit mavé. Alléluia. Dieu m'a dit, attends. Quand j'ai commencé à prier, il m'a fait comprendre que ce n'était pas tout à fait ça. C'était la moitié de ce que lui voulait m'expliquer. C'est pour ça, je vous demande, au longtemps qu'il y a quelque chose, Nayo, attention, vraiment, alléluia. Comme un homme de Dieu l'a dit, toi tu dis que tu as rêvé que la personne telle elle est fétissière. Est-ce que tu ne sais pas que lui aussi l'a rêvé de toi un jour? Que je pose un grand chore. Alléluia. Donc, cet domaine, c'est plus compliqué. Un jour, quand je parlais avec un homme de Dieu, il m'a dit, il faut faire attention à ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit dans certaines églises, Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Mais, par contre, c'était une même manière que Dieu avant il s'est communiqué, ou bien qu'il se communique aujourd'hui. C'est pour cela. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes? On va voir le temps que Moïse l'a vécu. Il n'avait pas d'iPhone. Vous comprenez? C'est que c'est passé en Judée des fois pour que, bon, c'est pas à l'époque quoi. C'est que c'est quand il était à Midian. C'est que c'est passé en Égypte. Il ne pourrait pas savoir. Mais aujourd'hui, nous non. Avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait?
olie fumbo na makaye botondi makas déjà soko la ndamba scientifique balba kesa mabe tu manges beaucoup tu pourras pas dormir et des fois quand tu dors tu as des cauchemars. Malheureusement, qu'est-ce qui se passait? Avant de dormir avec ta femme, avec ton cousin, avec ta cousine, tu as parlé des frères Néo. Au comme on a beaucoup de cauchemars, nos frères Néo abîmeront dans d'autres. Nani d'autres? Frère Néo. Alléluia. Mon Dieu, quand on pas. Acclamons la gloire de Jésus. Quand on doki, azalaka ndoki. Azaka mutamisa, ye, azaka mutamisa la mabe. Donc c'est pour ça. Des fois, vraiment, un enfant de Dieu, il faut se discipliner. Et quand tu vois que Dieu commence à t'utiliser dans sept domaines, priez beaucoup et lisez beaucoup plus la Bible. Alléluia. Pourquoi? Quand on prie, quand je prie à Dieu, c'est comme une échelle. Je suis en train de faire une échelle. Je suis en train de me connecter avec Dieu. C'est pour ça, des fois, j'aime bien dire, il y a une différence entre prophète et entre la don des prophéties. Alléluia. Il y a une différence par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, si je viens, je te donne des vraies prophéties. Demain quand tu vas me voir, prophète, Azalara prophète. Alléluia. Azalara prophète, il y a sa colaque. Et le plus étonnant c'est quoi? Cette personne va nous recevoir la révélation. Et comme on a au bout des moments, ce qu'à l'autre, ce qu'à l'autre, ce qu'on limite comme le Kambakanda. Oui, alléluia. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. J'imagine que je ne sais pas si je suis en train de se faire. Ça peut rater. Parce que si tu suis même les prophètes, à l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le temps. Je suis en train de prophétiser. Il y a des gens qui ont prophétisé. Non. Vous savez ce qui se passait dans la vie des prophètes Élisée? Ils ont parti les chercher. Ils ont dit prophète, on va aller à la guerre. Est-ce que tu peux prophétiser? Il a dit dans la prophétie. Je suis comme maman prophétesse, mais je suis comme prophétie. Et ça, je suis comme papa prophétesse. Si quelqu'un qui a dit que ça colle, on avance pour parler la langue. Il a dit que ça colle, ça colle. Mais il a dit que j'ai rien à dire. Mais il a dit je sais que Dieu, il chaise au milieu de louanges et d'adoration. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a certaines choses dans ta vie. Loue seulement. Alléluia. Même la situation, il est compliqué. Dieu merci. Oh, alléluia. Il y a des certains gens, ils voient une tempête. Tu sais qu'est-ce qu'ils commencent à dire? Oh, nous sommes dans la zone de ma tempête, tu es au léka. Penasi ma tempête, tu es au zone où nous sommes dans la porte pour que nous fassions ma vie. Et toi, tu restes. Oh, tempête, nous sommes dans la projet. Bon, c'est la tempête. Il y a des gens qui disent non, hey, je suis vraiment malade. Lui, il reste pas là, il dit, oui, Dieu, je sais que je suis malade, mais je sais pas ce que tu veux me montrer encore une fois, que tu es vraiment Jéhovah Rapha. Alléluia. Ça dépend comment toi tu t'accroches. Et une conseil, parce que je sais que le temps, il est vraiment un peu court. La façon que tu vas approcher vers ton Dieu, il va t'utiliser encore plus. Alléluia. Je vais donner un exemple. Il y a des certains gens ici à l'église. Des fois, pour qu'on parle de certaines choses, c'est difficile. C'est pas mauvais. Et non, ma bête, elle peut les soumouter. Pourquoi? Degré intimité n'abisso. Et ça, un peu court. Je me souviens quand je connaissais papa et maman. On n'avait pas la facilité de nous communiquer. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a la facilité. Pourquoi? À force de rester avec. Parce que Dieu, il est comme ça. Parce que des fois, quand on arrive vers l'éternel, quand on arrive dans ses pieds, c'est pas des ticotaco d'indi na mozindo. Même dans les dons spirituels, quand c'est un zama on révèle ma kamboya grave mbala moko. Non, c'est petit à petit. Alléluia. Quand tu es en comme un mbala moko kaka na fongola na fongola. Non, ma kamboya nzambe ezalaka malembe malembe. Comment on dit ça en anglais? Step by step. Hein? Petit à petit, anglais zoya. Petit à petit. Et tu vas comprendre ta façon de te sanctifier. Ta façon que tu vas te sacrifier, Dieu va t'utiliser encore plus. Alléluia. Parce que moi, des fois, j'aime pas, ou bien ça me fait mal hein, quand je vois ça, quelqu'un qui amène sa vie comme ici, comme ça, de bailler dans une révélation pour nous. Je ne sais pas si vous me comprenez ça. Bon, imaginez, tout le monde, mais Dieu peut parler comme ça. Hein? Vous savez ça?
Dieu peut parler comme ça. Non, sautez-moi, bloc, monsieur. Parce que Dieu, des fois, il peut utiliser même la nature pour nous parler. Et quand je dis la nature, je dis les étoiles, je dis les animaux, les animaux. Mon ango, quand on fait ma Disney, cheval à lobby. Alléluia. Imagine-toi, cheval. Cheval, il te parle. C'est dans la Bible. Balaam, il a dit non, je vais aller tuer. Oh, je vais, pardon. Je vais aller maudire cette peuple. Azokende, azokende, azokende. Ange Abimeli. Azu et Père Lobby, si tu passes, je vais couper cette personne qui est au Amadé Lyon. Moutasa, il connaît ce que l'on a quatrième. Alléluia. Et qu'est-ce que le cheval a fait? Il a mené dans un coin pour à tout dire. Quand le cheval a dit, mais yo, Zéla Yangoyo. Cheval à l'obité. Il a bêté cheval. Cheval à siliki. Alors bien, mais ange à Zalibosote. Ce qui n'a pas encore. Vous savez quoi? Le prophète l'a regardé. Il a dit, tu blagues avec moi, toi, depuis quand tu parles? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert les yeux. Alors bien, ah, cheval à biki singana liwa. Vous comprenez ça? C'est que Dieu il peut utiliser même la nature. Il faut imaginer si Dieu peut utiliser un cheval, un mouton. Et bon, faire, on a mis la ramassanga, ma casse, on a coin. Dieu peut l'utiliser. Attention. Même, Serge, j'en ai traduit, même un chat. Alléluia. Dieu peut utiliser tout le monde. Pour sa gloire, il peut utiliser tout le monde. Alléluia. Ça nous manque vraiment de temps. Mais ça ne finit pas là. Ce n'est pas tout ce qu'on avait à dire. Alléluia. Et ce n'est pas tout ce qui est écrit. C'est à des temps. Fais des recherches. Alléluia. Continue à rechercher. Ce que nous on veut, c'est d'ouvrir juste une petite porte. Pour ne pas se limiter là. Pour continuer aussi ton chemin. Alléluia. Parce que les rêves, c'est quoi? Ou bien ce que Jésus veut, c'est quoi? Il a dit, faisons-les. Mes disciples. Alléluia. Or, un disciple, il doit connaître la parole. Comme Pasteur Bienvenu l'autre jour nous a prêché ici. Au bandit tanga ba décret, alinéa, article. Oui, c'est là. Alléluia. Donc c'est qu'on doit comprendre. On doit faire les recherches. Parce qu'une façon, c'est que Dieu nous parle, c'est à travers sa parole. Alléluia. Parce que des fois, nous, on a qui écoute un prophète, mon cas prophète, pour la vinanga. Tout est écrit là. Alléluia. Là, tout est écrit. Et qu'est-ce que nous on va faire? Sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Je me souviens, il y avait un moment, j'étais vraiment abattu. Tu sais que des fois, tu veux que quelqu'un vraiment te dise quelque chose de bien. Parce que tout ce que tu vois, c'est négatif. Je sais que ça nous arrive des fois. Tout est noir. J'aime bien dire ça. Tu sais, on dirait que le ciel est fermé. Hein? Ça m'arrivait. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai dit que j'ai eu cette expérience avec Dieu. Il m'a parlé. Il a dit, Tange loko boye. Et loko zo loka. Et comment me sika boye. Natangango. Tu sais, quand tu lis une chose qui parle de toi par rapport à ta situation, tu dis, ouf. Parce que je vous dis la vérité, moi, il y avait des moments que je lisais la Bible. Au Tangi verset Mokolobi, c'est faux. Parce que je ne les vois pas. Je ne les sens pas. Alléluia. Imaginez-vous, la Bible dit que vous serrez la tête et non la queue. Yona Moussala, Bagambesim Barate. Ce Bengiba Bengana Moutina Moussala, Batalara toujours yo. Là, tu dis, mais Dieu, mais c'est quoi ça? Est-ce que être la tête, c'est comme ça? Dans ta famille, des fois, il n'y a personne qui te donne importance. Tu te demandes, est-ce que être la tête, c'est ça? Alléluia. Dis dans ta tête, Dieu, il veut m'isoler. Parce qu'il veut m'utiliser encore. Alléluia. Faisons confiance à Dieu. Lisons sa parole. Et ouvre ton cœur à l'Éternel. Et je sais que Dieu va te parler encore. Alléluia. Juste une petite conseil. Vous savez, ici je ne vois pas suivant. Hein? Je ne vois pas suivant. Quand on était à Obled, vous savez des fois, dans l'intercession, prier les Toki. Alléluia. Qui a déjà entendu ça? Alléluia. C'est pas tout à fait faux. Alléluia.
C'est pas tout à fait faux. Dieu peut parler. Le problème, c'est quoi? Des fois, moi, j'aime bien dire ça. Des fois, je cherche que Dieu m'utilise comme il a utilisé frère Kaz. Pourquoi on se dit que je suis professeur? Je suis professeur. Mais oui. Mais c'est pas tout le monde qui doit faire ça. Yo, le baga bien. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si l'église me comprend. Yo, le baga bien. Et la Bible nous dit quoi? Il faut grandir dans les dons que Dieu nous a donnés. Donc, c'est que tu m'as dit, c'est photocola. Parce qu'il y a des certains gens qui ont dit prière, il y a besoin de limo. Il y a des gens qui ont dit que l'église qui tu as sa chair d'abord. Au consomme, on peut te bouquer. Alléluia. C'est pas toujours comme ça. Et vous savez quoi? Des fois, bouquer ma quitte. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais on savait déjà qu'il est là. Alléluia. Pourquoi de certaines fois on veut imiter? Non. Ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible nous dit aspirer des bons dons. Donc ils ont bien aspiré. Alléluia. Mais cherche à grandir. Ok? Donc, l'inga pour nous coller dans le don. Quand Dieu te donne une chose, quand Dieu te donne une grâce, un don, des fois il faut dire à Dieu, aide-moi à maîtriser ça. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, l'esprit à confusion, et ça va dire, je suis moi. Et ça va dire, je bon, je suis toujours bon, je suis toujours. Alléluia. Pour lui, je suis un raté. Alléluia. Au péché, je suis boy. Donc, c'est pour ça, c'est une conseil. Alléluia. Donc, dis à Dieu, la façon que tu m'utilises, aide-moi. Aide-moi à grandir encore. Parce que moi, je crois que ton limite, ce n'est pas ici. Dieu te voit loin. Nzamba lingyo kota pena kana. Oyo zo mon ezaka ka désert, ozo lia man, oui, ezaka ka désert. Mais il a préparé vraiment quelque chose de bien pour toi. Mais une conseil, plonge. Alléluia. Plonge vraiment dans la présence du Seigneur. Parce que je sais que Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction pour cette église. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction pour l'église corps de Christ. Parce que j'imagine, nous tous que nous sommes là, on n'a pas commencé à ériger ses vies. De manière à l'église moque quelconque. Mais pourquoi tu en as? Parce qu'on croit que le Dieu que j'ai prié là, c'est le même concert ici. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Donc nous sommes arrivés au... C'est le temps des offrandes. Nous...